Laissez les deux femmes du président tranquille. Ça vous fait mal, pourquoi? Quoi? Vous voulez être le beau-frère d'Oliran, hein? Quoi? Vous voulez être la copine d'Olivier? Il n'est pas dans ça. C'est fini. Oh! Amana, vous allez danser avec le nom d'Olivier. Dans les ngosés, chez les marabouts. C'est fini. Olira de refatan. Vous battez là pourquoi? Vous avez quel problème? Que vous allez crier à gauche, à droite. Quoi? Donc, il a fallu que. Oliran Gama, le président de la République gabonaise, son excellent Brice Clotaire Oliran Gama, part épouser ailleurs. Il part chercher une femme de Guinée-Conakry, de la France, comme certains. Et là, c'est bien. Mais il a dit non. Il est gabonais. Il préfère avoir ces deux femmes gabonaises. Malgré ça, ça vous dérange. Malgré ça, ça vous fait mal. Quoi? Vous voulez être le beau frère d'Oliran? Quoi? Vous voulez être la copine d'Olivier? Il n'est pas dans ça. C'est fini. Il s'est arrêté. Il a déjà le A et le Z. Anouchka. Zita. Anouchka. Pain. Amana. Vous allez danser avec le nom d'Olivier. Dans les ngosés. Chez les marabouts. C'est fini. Olira de refatan. Si Olira a une troisième femme, c'est le jour où il va marcher avec le bâton. Parce qu'il a deux pieds, il a deux bras, deux oreilles, deux yeux. Hein? Donc, si le jour où il va marcher avec le bâton, c'est là où il va avoir la troisième femme. Mais là, pour qu'on lui marche avec le bâton, là, Mahad Avenir, je ne le pense pas. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Focalisez-vous sur les vrais problèmes. Laissez les pauvres choses d'autrui. Laissez les deux femmes du président tranquille. Ça vous fait mal, pourquoi? Oh, vraiment, vous, Gabonais, c'est pas la peine.